Le Paris Saint-Germain est enfin dans les starting blocks. La phase de préparation est terminée. On a peaufiné les réglages, on a étudié l'adversaire, on a fait de très longues séances de vidéos. Et maintenant, l'heure est enfin venue de lancer cette nouvelle saison européenne dans la plus prestigieuse des compétitions. Avec évidemment l'envie, l'espoir, le rêve de remporter le trophée au bout. Et vu l'ambiance qui règne ici, on peut vous assurer qu'ils n'auront aucun mal à se mettre dans le bain. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Et cette phase de groupe qui va maintenant pouvoir débuter. C'est pas trop tôt. On sent les deux équipes vraiment impatientes, comme si elles avaient envie d'en finir au plus vite avec ce premier match. Et avec une victoire, c'est possible. Et le match est donc lancé. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Je vais prendre un petit risque avec Mauro Icardi. Il est encore jeune, mais quand on le voit, on comprend pourquoi il était aussi convoité. Je pense que c'est un futur grand attaquant. Oh, je vais pas vous contredire, c'est vraiment un... De la tête! Hors jeu, apparemment. Et dégagement du gardien. Tolisso. L'arbitre signale une faute. Jérôme Boateng. Pour Sané. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Il allonge le jeu. Florenzi. Draxler. Ça passera sur le côté. Et les statistiques confirment notre impression. Une possession déséquilibrée, mais zéro tir. Quel jaillissement! Premier corner dans cette rencontre. Un peu d'oxygène pour sa défense. Ça peut aller au bout. Idrissa Gueye. Mbappé. Il sait attaquer, ça on savait, mais il sait aussi défendre. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Tolisso qui a de l'espace. C'est bien fait ça. Draxler. Bien servi. Müller. À la barre. Allez, on commence à s'ennuyer là. Ce match manque de but. Kimmich. Il allonge vers l'avant. Lewandowski. Le but. Oh, le but pour le Bayern Munich. Premier but pour le Bayern. Ah, c'est beau le foot quand ça combine comme ça, un peu de tiki-taka et hop, c'est dans la boîte, bravo! Et ça fait donc 1-0. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable métronome. Tolisso. Ils sont menés, mais ils ne baissent pas les bras. C'est bien, faut continuer dans cet état d'esprit. Voici Icardi. Il ne résiste pas au contact. Hernandez. Kimmich. Ils obtiennent un coup franc.
Bonne course, côté droit. Dans la profondeur, bien vu. Bonne lecture de la trajectoire. Tolisso. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Müller. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. À la barre. Tolisso. Mbappé. La passe dans la profondeur. Mauro Icardi à droite. Oh, quel geste! Mbappé. Neymar qui cherche à construire. Oh, attention! Le ballon dans la profondeur. Il déclenche son centre. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Bon, j'avais fait un peu mon captain obvious. Icardi! Superbe arrêt de Neuer! Oh, quel bel arrêt! Ah oui, superbe! Mauro Icardi! Müller, qui a donc offert un but à son coéquipier. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Hernandez. Kimmich. Pour Sané. Mbappé. Florenzi. Dans la profondeur. Ça va sur l'aile. Voici Florenzi. C'est centré. Oh, bonne lecture, intercepté. La passe en retrait vers son défenseur. À la barre. Il joue long. Müller, c'est pour lui, attention. Mbappé qui met un terme à cette attaque patiemment construite. Le coup de sifflet, ce sera une faute. De précision. Écoutez, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais là, c'est un petit peu n'importe quoi. Idrissa Gueye. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? Ils sont menés, mais ils ne baissent pas les bras. C'est bien, faut continuer à être dans cet état d'esprit. Neymar. Idrissa Gueye. Cette passe en profondeur pour Kurzawa. Neymar. Ok, Mbappé. Il marque. Ils égalisent, le match est complètement relancé. Et il s'est parfaitement démarqué et la conclusion n'est pas mal non plus. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. Idrissa Gueye. Et petite faute là. Et il prend donc un carton jaune. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Il y a peut-être un coup à jouer. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. La tête! Mais il manque le geste décisif. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte?
Kurosawa. Marco Verratti. Marquinhos. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Peut-être une occasion pour Mauro Icardi. C'est bien fait. Neymar. Idriss Agueye. Peut-être une occasion. Oh, la frappe! Oh, but pour le Paris Saint-Germain. Yes! Go! Voilà la situation complètement inversée. La frappe lointaine et quelle précision! Bon, avant, je chambrais un peu les gardiens sous ces tirs de loin. Mais maintenant, je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire de ces ballons flottants. Et les voilà donc en tête. Avec eux, rien n'est jamais fini jusqu'au coup de sifflet final. Ils repassent devant. Maintenant, il va falloir tenir. C'est osé. Il est lancé sur l'aile. Ce ballon bien dosé. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Pavard. Ça joue bien, côté gauche, il faut insister. Il a de l'espace. Voici Icardi, dans la profondeur. Lucas, belle intervention. C'était l'occasion de se mettre à l'abri. Dommage. Pavard. Ça va très vite, sur le côté gauche. Le Paris Saint-Germain, qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Mbappé, il est bien placé, il écarte le jeu. On joue sur l'aile, il est servi. Il centre dans l'axe. Et défensivement, c'est parfait. Di Maria. Di Maria. Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Une victoire importante, ils avaient des petits doutes. Ils se sont sans doute envolés. La compétition va être belle maintenant pour eux. Alors, que retenir de cette rencontre? C'est très bien, ça leur permet de ne pas griller de joker. Alors, bravo à eux. On n'a pas envie de rendre l'antenne d'arrêt, mais il le faut après avoir vécu ce...